Good morning, allez, Iden, et ce sera aujourd'hui le Nishmat, Fortuné Mazel Fritna, Bat Louisa, Richard Aaronman, Fortuné Mazel Fritna, Janine Ruth, Bat Fortuné Mazel Fritna, François Frangé Ben Chana, et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions à Sechet Kidushin, Perek Aleph, Mishnah Zain, Kol Mizvat Aben à la Av, Anashim Chayavim, Venashim Turot, Vechol Mizvat Av à la Ben, Echad Anashim, Vechad Anashim Chayavim. וכל מוזת עשי של זמן גרמר, אנשים חייבים ונשים תורות, וכל מוזת עשי של לא הזמן גרמר, אחד אנשים ואחד אנשים חייבים. וכל מוזת לא תעשה בין של זמן גרמר, בין של הזמן גרמר, אחד אנשים ואחד אנשים חייבים, חוץ מבל תקיף, בל תשחית, בל תקיף, ובל תתאמי למתים. On a une משנה כולה, on quitte le sujet des משנות précédentes, c'est assez complexe à comprendre le... pourquoi on se met à parler de ça tout de suite. D'abord, on va... jusqu'à maintenant, depuis la Mishnah Aleph, jusqu'à la Mishnah précédente, on a parlé des différents kinyanim. Toujours, on n'a parlé que des kinyanim, comment acquérir une femme, des esclaves, comment acquérir des biens, mobilier, immobilier, comment échanger les choses, comment transmettre au Hekdesh. On a même évoqué qu'au Hekdesh, au pouvoir suprême, à la trésorerie du Beth Amikdash, on fait acquérir en promettant que tu donnes les choses. Amiratola Gavakim, Siratola Dios, c'est la Mishnah précédente. On démarre à présent une Mishnah qui a. On va parler, à partir de maintenant, jusqu'à la fin du chapitre, des mitzvot et du Olam Haba, et de toutes les choses très intéressantes, mais qui n'ont pas de rapport avec les kinyanim, apparemment. On va parler des mitzvot, pour le moment, on va parler des mitzvot que les hommes sont imposés et que les femmes sont imposées. Qu'est-ce qui incombe aux hommes, qu'est-ce qui incombe aux femmes? D'accord? Le rapport avec les mishnayot précédentes, le petit rapport que ça rapporte au nom du Tosfot Rit, par exemple, il a dit oui, parce que tu as comparé la propriété du Beth Amikdash avec la propriété des personnels, des individuels. Alors du coup, on va se mettre aussi à comparer les engagements des hommes et les engagements des femmes. C'est assez faible comme transition, en tout cas, c'est rapporté comme ça. D'accord? Kol mitzvot aben. Alors on commence maintenant, faites attention. On va couper la Mishnah en deux. D'abord, on va parler des mitzvot que les parents doivent faire face aux enfants ou les enfants face aux parents. Première partie de la Mishnah, en me disant « Kol mitzvot ben alav » toutes les mitzvot qui incombent au fils, non, qui s'appliquent sur le fils et qui incombent au père de les réaliser. Soit, lorsqu'un enfant naît, le père il a plusieurs devoirs. Par exemple, lui faire le Brit Mila, lui faire le Pidyon Aben, lui enseigner la Torah, lui enseigner un travail, le prendre un travail, le marier, le faire nager. Le père il a toutes ses mitzvot à accomplir avec son fils. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle les mitzvot à ben, à lave. Les mitzvot que c'est concrètement le fils qui doit être réalisé sur le fils, mais par le biais du père, parce que le fils, il n'a pas le moyen de faire, il n'a pas les moyens de faire tout ça tout seul. C'est encore un bébé, et même se marier, il ne sait pas gérer ça tout seul. Il a besoin de quelqu'un qui l'aide. Donc, toutes les mitzvot à ben, à lave, les mitzvot du fils qui incombe au père, sache que Anashim Chayavim, Anashim Torot, les hommes sont imposés et les femmes ne sont pas imposées. Une mère, elle n'a pas le devoir de marier son fils et de lui faire le Brit Mila, même si le fils n'a pas de père, le pauvre, eh bien la mère n'a pas l'obligation de lui faire le Brit Mila. Pas plus que n'importe quel autre juif qui doit se soucier que chaque juif fasse le Brit Mila, mais ça n'incombe pas à la mère et si ça coûte de l'argent, on ne va pas lui prendre l'argent à elle de force pour qu'elle accomplisse sa mitzvah, parce que ce n'est pas sa mitzvah. Et à l'inverse, le Chol Mitzvot Av à la Ben, et toutes les mitzvot que les mitzvot du père qui incombent à l'enfant, c'est-à-dire. En l'occurrence, on parle tout simplement de respecter son père et de craindre son père. Sache que cette fois-ci, Echad Anashim, Vechad Anashim Chayavim, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, elles sont toutes imposées. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de comparer. Il y a les mitzvot qui doivent être accomplis pour les enfants, et c'est les pères qui sont. C'est les pères qui ont le devoir de faire et pas les mères. Par contre, les mitzvot du père ou de la mère, craindre son père et respecter son père, alors même les hommes comme les femmes ont tous le devoir de garder cette mitzvah, d'accord? On continue maintenant à parler que kol mitzvot aseh shazman gerama, anashim chayavim anashim turot, toute mitzvot aseh qui est dépendante du temps, qu'elle est ponctuelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas constante. Il y a certains moments, tu es obligé de le faire, après ça c'est fini, le temps se passe. Alors, en général, la plupart des mitzvot, c'est Shazman Grama, qui dépendent du temps. Écouter le chauffard, prendre le loulav,
Eh bien, Anashim Chayavim et Anashim Torot. Sache que les hommes sont imposés de cette mitzvah, mais les femmes en sont dispensées, elles n'ont pas d'obligation de le faire. Elles peuvent accomplir la mitzvah, marloquet concrète, est-ce qu'il faut faire la bracha ou pas? En général, en Israël, on dit que les Ashkenazes font la bracha et les femmes non. Et d'accord? Donc, je reprends. Que toutes les mitzvot assez chez Azman Gramal, donc les mitzvot qui sont ponctuelles, qui dépendent du temps, qu'il y a des moments où tu fais, des moments où tu ne fais pas, la Torah ne les a pas imposées pour les femmes, donc c'est juste les hommes qui sont imposés de les faire et pas les femmes. Par contre, Vechol Mizot Asé Shelo Azman Grama, toute Mizot Asé qui ne dépend pas du temps, c'est des Mizot constantes. Mettre une mezouza à sa maison, faire un maaké, Shilo Achaken, tout ça, eh bien, Echad Anashim Vechad Anashim Chayavim, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, tout le monde est imposé par ses Mizot, même une femme qui vit toute seule dans une maison, elle a l'obligation de mettre une mezouza dans sa maison. Ok? Vechol Mizot Lo Taasé, Ben Shazman Grama, Ben Shelo Azman Grama, et maintenant, par contre, jusqu'à maintenant, on a parlé des mitzvot assez, des mitzvot positives que tu dois accomplir. Par contre, tous les interdits de la Torah, les lavim, le chol mitzvot lota assez, tous les mitzvot qui sont des lota assez, des interdictions de faire, ben shazman gerama, ben shelo azman gerama, qu'elles dépendent du temps, qu'elles ne dépendent pas du temps, qu'elles soient ponctuelles ou pas, et chad anashim vechad anashim chayavim, aussi bien les hommes qu'aussi bien les femmes, sont toutes imposées, c'est-à-dire tu prends toutes les mitzvot lota assez, ne pas manger du chazir, ne pas manger du chametz pendant Pessah, ne pas manger à Yom Kippour, même si des fois c'est ponctuel, mais puisque c'est un interdit, alors les femmes sont imposées de se laver. À une exception qui est Chutzmi Baltashrit. À part trois interdits qui ne sont aucun ne compte pas aux femmes, Baltashrit, ne pas se raser la barbe à la lame, même si une femme elle va avoir du duvet, elle va se raser. Tous les jours, même si elle veut, elle ne transgresse pas d'interdit de Baltashrit. Ou Baltakif, encore l'interdit de s'arrondir les péotes. Ouais, il y a un interdit à la Torah, même avec le ciseau, pas juste avec une tondeuse, même avec un ciseau de se raser à nu. Ceux qui prennent qui se rasent à nu, c'est un certain problème. C'est discuté dans le Shulchan Aruch concrètement. Mais en tout cas, les femmes ne sont pas imposées de cet interdit de ne pas s'arrondir les. On appelle ça Baltakif, ne pas arrondir. Parce qu'en fait, si vous voulez avoir une idée à quoi ressemble une vraie tête de goy, de la Torah, quoi, une vraie tête de moine, eh bien, tu fais un trait depuis le haut de derrière l'oreille, et tu montes jusqu'au front, tu traces un trait, ça c'est les péotes. Et tout ça, c'était l'usage des moines de se raser ça, et la Torah interdit qu'un juif ne se rase pas ici à blanc, même si c'est sans lame. D'accord, Chutzmi Baltashrit ou Baltakif, donc à part. Et les femmes, elles ne sont pas imposées. Si une femme qui se veut faire une tête bizarre de se raser à blanc, à nu, les péotes, elle peut le faire sans problème. Mais aussi une autre mitzvah qui n'incombe pas du tout aux femmes, même si c'est un lave, ou Baltitamel Ametim, ne pas s'impurifier pour les morts, c'est-à-dire on parle d'une femme d'un Kohen. Un Kohen, il n'a pas le droit de s'impurifier pour les morts, sa femme n'est pas imposée de ne pas s'impurifier pour les morts. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, un Pessah Kasher et Sameach. Et je vous dis rendez-vous, Bezrat Hashem, le lendemain de Shvi'i Shel Pessah, le Shmini Shel Pessah concrètement, quand il y aura nos chers spectateurs de France qui seront encore en fête. On n'a pas le choix, on ne peut pas trop traîner pour reprendre la Mishnah, quoi. Vous compléterez ça à la sortie de Pessah. Pour le moment, je vous souhaite un Pessah Kasher Sameach. Et voilà, Kol Tov V'Salah.